Salut à tous, c'est Hitman47DE. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo hors sujet pour vous parler d'un pistolet airsoft que j'ai acheté il y a quelques mois, que je trouve personnellement génial. C'est pas le premier que j'ai, j'en ai eu depuis ces 10-15 dernières années, plusieurs de différentes sortes, différentes qualités, mais celui-là c'est celui que j'ai trouvé le meilleur. Donc je vais vous en parler, je vais vous le montrer. Donc c'est un Colt Spécial Combat. Il est en acier. Donc bien sûr la documentation. Et voilà. Alors j'espère que vous le verrez bien. Attendez, là, je vais le mettre autrement. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très très beau. Alors la spécificité de cet airsoft, c'est que il est chargé à cartouche de gaz. Donc comme vous pouvez le voir, ça se présente de cette manière-là pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des cartouches de gaz que vous achetez en armurerie. J'ai payé les 25 cartouches 21 euros. Bon après ça dépend de l'utilisation que vous en faites, hein, la durée que vous ferez avec. Moi personnellement j'en consomme beaucoup, donc il faut que je rachète assez souvent. Sinon le chargeur a 19 billes. Pareil pour la spécificité de ce pistolet, c'est que j'ai acheté un pack de 6000 billes, mais c'est du cuivre. Parce que vous avez différents types de plastique, différentes couleurs, différents poids. Mais moi j'ai acheté du cuivre. Alors pour vous donner une idée de la puissance, je me rappelle pas de tête le nombre de joules. Je m'en souviens pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez percer du vitre des vitres de verre avec la propulsion à gaz et les billes en cuivre. Donc pour vous donner une idée de la force, faut vraiment pas que vous vous tiriez dessus pour vous amuser comme un jouet pour enfants moins de 18 ans quoi. Là c'est vraiment sérieux, c'est vraiment fait pour du tir, ça perce des bouteilles, ça perce des vitres, ça perce tout ce qui est un peu solide et cassant. Donc faut vraiment faire attention. Donc voilà. C'est un petit état des lieux de ce pistolet que je voulais vous faire montrer, que personnellement je trouve c'est mon préféré, et en plus il a un petit côté Colt 1911 à la Hitman qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des commentaires en me disant ce que vous en aurez pensé, et si vous avez des airsoft d'un autre type, n'hésitez pas à partager votre expérience. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!